Et salut les boiseux. Alors aujourd'hui, on reprend un petit peu, donc vous inquiétez pas, tout est redevenu normal. J'ai des bouts de bois, j'ai du café, on va faire des copeaux. Dans cette vidéo, on va se faire un plateau télé. Bon, c'est pas que je regarde beaucoup la télé, mais il se trouve que, comme je suis célibataire, je mange pas tout seul à ma table de cuisine, je mange devant la télé, voilà. Et la télé me sert plutôt à regarder des vidéos sur YouTube que la télé-télé, parce que pas grand-chose à la télé-télé. En tout cas, j'avais pris l'habitude de manger sur une planche pour pas trop salir, et c'est pas toujours super pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un plateau télé, mais alors j'espère qu'il sera joli. Après, la partie esthétique est toujours discutable. Et surtout, il va être évolutif. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite pourquoi il va être évolutif, parce que j'ai pas envie. Voilà. Il y a quelques opérations préalables qu'il faut que je fasse avant d'attaquer réellement le plateau. Ce qu'il y a à savoir, c'est que j'ai choisi trois essences. Alors, esthétiquement, c'est le café qui tape un peu. Esthétiquement, ça reste discutable, hein, je suis conscient de ça. Donc,
Ici, c'est du chêne. Alors, le chêne, c'est de la récup du grenier, puisque c'était des rambardes qui étaient faites comme ça. Quand j'ai débarrassé, j'ai failli balancer parce que je pensais que c'était un bois peu bas de gamme, voire même que ce n'était pas du massif. Puis, en fait, en grattant le vernis tout pourri qui était dessus, je me suis rendu compte que c'était du chêne. Du coup, j'ai je sais pas, une cinquantaine de baguettes comme ça, là, en chêne. Bah, je trouve que c'est sympa. Voilà. Là, c'est du noyer d'Amérique, donc j'ai voulu conserver un petit peu l'espèce de pseudo-symétrie du veinage, en tout cas cette espèce de continuité. Les deux barres claires, c'est du frêne. Ensuite, les bordures du plateau, hein, qui seront légèrement inclinées comme ça, façon un petit peu pétrin de boulanger, ce sera du frêne aussi. Voilà. C'est assez clair. Et pour faire les poignées du plateau, on va utiliser une barre en aluminium. Voilà, tout bêtement, parce que je sais pas, ça m'est venu à l'idée comme ça. Et c'est cette barre-là qui va nous poser quelques difficultés, puisque si vous regardez le dessin en 3D du truc là que j'ai fait avec SketchUp, vous connaissez SketchUp? Et ben, en fait, il faut que je rentre la barre en alu entre les deux poignées, mais le problème c'est que si c'est collé, comme vous voyez dans le dessin, ben je peux plus. Il va falloir que j'usine ma forme et que je prévoie mes emplacements pour ma barre, et ensuite seulement on va faire le collage. Il va falloir être assez précis et assez méticuleux. Une fois que le collage sera fait, je vais venir sectionner ici avec un angle, toujours pour avoir les bords un peu inclinés comme ça, de chaque côté. Et ça va nous conserver en fait la continuité du veinage à l'intérieur du plateau. Ça, c'est un truc que je souhaitais. Et puis aussi, ça va avoir un avantage, c'est que tout mon bois va être de fil, y compris là. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir du bois avec le fil qui va se croiser perpendiculairement. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Je vais pas avoir. Je vais éviter ce genre de choses. Parce que ça pose des problèmes dans la mesure où dans ce sens-là, ce morceau-là, bon bah il va pratiquement pas bouger. Par contre, cette partie-là, avec les variations hygrométriques saisonnières, eh ben, elle va se dilater et se contracter. Et ça risque de poser des problèmes parce que ça va être assemblé juste collé avec un éventuel renfort en tourillon, qui vont sans doute être visibles d'ailleurs sur les côtés, parce que c'est une esthétique que j'ai choisie. Mais malgré ça, ben, il faut quand même que j'ai cette continuité du sens du fil. Voilà pourquoi je vais venir incliner comme ça. Et ensuite, ces morceaux-là seront simplement collés sur les bords. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, là, j'ai tracé des lignes droites à l'équerre, ici et là, hein, de chaque côté. Donc ça, je vais aller couper mes bois un par un pour avoir ben, cette espèce de rectangle. Ensuite, je vais venir tracer mes poignées, hein, telles que vous les voyez sur le dessin en 3D. Je vous mets au montage le dessin pour que vous voyez bien de quoi je parle. Donc, je vais venir tracer mes poignées. Je vais venir coller mes bois, donc les trois barres du milieu là en chêne. Ensuite, je vais coller les morceaux de noyer d'Amérique aux morceaux de frêne. Dans cette partie-là, je vais venir tailler mes poignées, hein, donc qui vont faire une espèce de montée-descente là. Je vais venir percer ici. Ensuite, je vais usiner mes arrondis et ensuite seulement, je vais venir coller mon assemblage final. Donc, ça paraît un petit peu fastidieux. En attendant, moi, c'est la seule solution comme ça que j'ai trouvée mentalement pour faire un travail propre. Voilà tout. On va se mettre au boulot, hein. Déjà, je vais aller tronçonner ça tout à longueur de façon à pouvoir travailler dessus. J'ai collé ce que je pouvais coller en fait. Je pouvais pas en coller plus parce que, comme j'ai expliqué, oui, donc grosso modo, ici va s'insérer la barre en aluminium.
Ça signifie que là, il faut que je fasse ma découpe, tac, que je fasse mon perçage, que je mette ma barre, et ensuite je colle ces parties-là. Donc là, vous avez à peu près le dessin, hein, ici, de comment je vais découper le rebord du plateau, même si ça ne va pas être tout à fait comme ça, parce que là, je trouve que ce n'est pas joli, mais ça va être des courbes un peu comme ça, voilà, à peu près. Je pense que je vais m'arranger après. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse mon perçage ici. Là, il va, ça, c'est à peu près l'axe du perçage. Ça va arriver quelque part par là, voilà. Donc, tant que la planche est rectangulaire partout, ben, je vais en profiter pour faire mon perçage. Alors, il ne faudra pas que je me gourre. Il faudra bien que je fasse bien droit, que je sois, que je m'incline pas, parce que sinon, ça va être moche. Donc, je vais mettre ça sous un support de perceuse à colonne, en mettant le bout de bois bien vertical. Et puis, je vais faire mon perçage, ça va venir percer comme ça, voilà. Donc, il faut que je perce au diamètre de mon tube en alu, qui fait 10 mm, dans une planche qui fait 15 mm d'épaisseur, et ce qui nous laisse 5 mm de marge au total, soit 2,5 de chaque côté, donc il va quand même falloir être assez précis. Autant sur la profondeur, même sur la profondeur, je pourrais jouer un petit peu, parce que ça rentre plus ou moins, c'est pas bien grave, ça se verra pas. Par contre, il ne faut pas que je m'écarte et que j'aille basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire ma mise en forme, je vais faire mes 4 perçages sur mes morceaux. Et une fois qu'ils vont être faits, je vais venir faire mes courbes. J'insère mes tubes en alu et ensuite, je colle l'ensemble. Et on verra la suite après. J'ai monté la perceuse sur le support colonne. Alors, j'ai une perceuse à colonne. On m'a posé souvent la question dans les commentaires. Je ne l'utilise pas parce qu'elle ne tourne pas très rond. Il faut que je la remplace. J'en achèterai une dès que je pourrai. Donc, j'ai tracé. Voilà, donc ici, j'ai tracé. Je suis à 15 mm du bord, là. Et il faut que je me mette au milieu. Je vais viser le milieu à l'œil, parce que bizarrement, c'est à l'œil qu'on le vise le mieux. J'ai monté une mèche à bois de 10. Et pour vous donner une petite idée de la situation, je vais descendre à peu près jusque-là. Voilà, voilà. Donc, comme vous le voyez, ça ne me laisse pas des masses de place de chaque côté du forêt. Et ben, il ne faut pas se chier pendant qu'on perce. Alors, c'est parti. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les 3 autres. Donc, je vous montre une image en gros plan. J'ai tracé mes courbes. Les traits droits que vous voyez sur l'image en gros plan, c'est juste les traits que je vais couper à la scie japonaise. À la scie, quoi. On s'en fout qu'elle soit japonaise. Mais j'en ai une japonaise qui fait des coupes bien fines. Donc, c'est ce que je vais couper pour dégrossir, en fait. Et après, je passe sur la ponceuse à cylindre oscillant. C'est dur, ça. Et puis, je fais mes courbes. Je le fais sur une seule planche et ensuite je le répète 4 fois avec une fraise de défonceuse à copier. Parce que pour copier, c'est bien la fraise à copier. Voilà. Là, j'ai donné la forme hein, à ma première planche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la plaquer sur l'autre qui est juste dégrossie. Je vais prendre une fraise à copier, puis je vais venir recopier la première sur la deuxième. Voilà. Et puis ensuite, je vais retourner la planche pour faire la même chose sur une des deux d'un côté, puis sur l'autre. Et puis j'aurai mes quatre embouts qui seront strictement identiques. Pour l'esthétique, c'est mieux. Donc je monte tout ça et puis je vous fais des plans de la suite.
j'ai mis ce morceau-là à longueur. La longueur, bah, c'est la distance entre ça et ça, hein, tout simplement. Voilà, tous mes bois sont prêts. J'ai coupé aussi mes tubes alu, à longueur aussi. Voilà, ça va donner ça. Par contre, le truc qu'il ne faut pas que j'oublie, avant de faire mon collage, parce que là, j'ai pratiquement plus que ça à faire, c'est que, ici, là, je veux faire un joli quart de rond. Pas un gros, avec une fraise 3 mm, le rayon du quart de rond. Et je ne pourrais pas le faire bah, une fois que tout sera collé, parce qu'il y a la barre qui va me gêner là au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la barre, je vais fixer mes morceaux dans leur position définitive. Et une fois que ça c'est fait, ben je passe ma défonceuse de chaque côté, et puis enfin mon affleureuse, parce que vu la taille de la fraise, je vais prendre l'affleureuse. Et puis ben, après l'usinage du quart de rond, je mettrai mes barres et je ferai mon collage. Et puis voilà. Petit détail que vous aurez peut-être remarqué sur le gros plan et qu'il faudra que je corrige pour une prochaine fois, c'est que le roulement de la fraise quart de rond en fait tombe dans le trou qui me sert à mettre les petites barres en aluminium. Alors c'est dommage parce que ça fait pas très joli. Du coup, pour pallier à ça, entre guillemets, j'ai sauté par-dessus après. Et puis je vais le finir à la cale à poncer tranquille pour que ce soit propre. Voilà, comme quoi on pense pas toujours à tout. Voilà, voilà. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à coller. Faut juste pas oublier ça parce que sinon je vais avoir l'air con. Donc j'ai préparé, hein, j'ai ma colle, j'ai mes serre-joints, j'ai pas préparé le seau d'eau et l'éponge parce que là je vais sans doute juste me contenter d'un chiffon pour enlever le trop-plein de colle. Mais tout bien préparé quand même. Alors c'est un collage un tout petit peu délicat parce qu'il faut que je sois bien que les boudes soient bien alignées, sinon ça va être moche. Voilà, donc le collage est terminé. Prochaine étape, ça va être de donc scier les deux bords qui sont là, hein, de chaque côté, pour les mettre de manière un petit peu inclinée comme ça, c'est plus esthétique. Et ensuite, de la même façon, je vais scier ici sur ces bords longs et je vais venir positionner ces morceaux-là sur les côtés pour avoir les quatre bords du plateau. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je sais pas encore à ce stade de la fabrication si je sors la vidéo ce lundi avec juste ça et puis j'en referai une pour la suite, ou alors si je sors la vidéo le lundi d'après avec tout, tout fait dessus. Je vais voir. Alors, ceci étant dit, on peut attendre que ça sèche ensemble. Tout hein. Que ça va foutre. Mais moi, j'ai d'autres trucs en cours, alors je vous laisse. Hein. Vous regardez, vous surveillez que la colle elle sèche, puis moi, voilà, je vais faire d'autres trucs.